Vœux 2015, RDC, les bras ouverts des Tshisekedi au dialogue. Dans un message vidéo, revoici encore Tshisekedi et enfin examen du projet de loi électorale à l'Assemblée nationale. L'opposition fait volte-face. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, une exclamation ouvre cette revue de presse avec la prospérité vœux 2015, RDC, les bras ouverts des Tshisekedi au dialogue. Il ne restait plus qu'Étienne Tshisekedi pour présenter ses vœux au peuple congolais. Joseph Kabila, président de la République, l'avait déjà fait à l'occasion de la Saint-Sylvestre. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la Nation congolaise, l'a imité le 7 janvier. C'est maintenant fait le mardi 13 janvier depuis Bruxelles où il était en convalescence. Étienne Tshisekedi proclame 2015 l'année du sursaut selon lui. En effet, 2015 est une année durant laquelle la communauté internationale devrait organiser le dialogue politique conformément à la résolution 2098 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est également en 2015 vers la fin qu'il prévoit d'organiser le congrès de l'UDPS. Pendant ce temps, il réaffirme son soutien au secrétaire général du parti, Bruno Mavungu. Dans une autre colonne, le journal écrit surprenante apparition. La sortie médiatique inopinée des Tshisekedi fait l'objet d'une intense polémique à Kinshasa. Surtout qu'elle est intervenue un jour après la manifestation empêchée de l'opposition parlementaire contre la révision de la loi électorale. Lundi 12 janvier, dans un tohu-bohu déconcertant, la majorité à l'Assemblée a jugé recevable le nouveau projet de loi électorale. Exercice démocratique pour les uns, forcing pour les autres. La réception du projet de loi électorale a fortement humilié l'opposition parlementaire. Quelques faucons de la majorité se moquent encore de l'incapacité des opposants modérés à mobiliser les Congolais. Dans le même registre, le vrai modérateur écrit dans un message vidéo, revoici Tshisekedi. Le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Étienne Tshisekedi, a fait un tour d'horizon de certaines questions de l'heure. C'était au cours de son message vidéo posté mardi 13 janvier dernier sur Internet qu'il a présenté ses voeux au peuple congolais. C'est la première fois qu'il s'est exprime depuis plus d'un an, renseigne le journal. Dans une autre colonne, le journal écrit « Élection ». Connaît pas. Il est tout de même curieux qu'au moment où toute la classe politique est mobilisée pour les élections à venir, Étienne Tshisekedi fait cavalier seul en entonnant un vieux refrain, la fameuse vérité des urnes. Pour lui, avec l'appui de la communauté internationale, 2015 pourrait être les débuts de son quinquennat à la tête du pays. Dans ce contexte, la position du sphinx de l'IMETE fragilise ses amis de l'opposition qui ont déjà tourné la page de 2011 et se sont rendus à l'évidence. Le fauteuil présidentiel est occupé et ne sera pas vacant avant fin octobre 2016. Plutôt que donc de mobiliser ses troupes pour les échéances à venir, Étienne Tshisekedi, élu d'EPES, distrait ses partenaires et le peuple congolais. Et enfin, Forum des As s'exclame, examen du projet de loi électorale à l'Assemblée nationale, l'opposition fait volte-face. Après les beaux temps, c'est la pluie, dit-on, cet adage s'est vérifié hier au sein de la commission PAJ qui s'attelle à l'examen du projet de loi électorale dans la salle des banquets du Palais du Peuple. Au sein de la commission, les tiraillements entre la majorité présidentielle et l'opposition politique observée lundi lors de la présentation du projet du gouvernement n'ont plus droit de citer. Le membre de deux familles politiques semble avoir déjà enterré la hache de la guerre en fumant carrément le calumet de la paix. Ce qui, aux yeux de bon nombre d'observateurs, reviendrait à dire que l'opposition a fait volte-face pour se remettre au travail, car contrairement
gouvernement aux déclarations annonçant à l'opinion l'absence des opposants à toutes les séances consacrées à l'examen du projet de loi électorale émanant du gouvernement, les députés battant pavillon opposition au sein de la commission politique administrative et juridique de l'Assemblée nationale travaillent de concert avec leurs collègues de la majorité. Une attitude patriotique saluée même par le président Aubin Minaku qui n'en croyait pas ses yeux lors de son passage pour suivre l'évolution du travail. L'examen du projet de loi sur les élections se poursuit normalement au niveau de la commission PAJ de l'Assemblée nationale. Les députés membres de cette commission s'y attellent déjà. Ils sont appelés à examiner et à discuter les amendements qui ne cessent de tomber sur la table du rapporteur de la Chambre basse du Parlement en vue d'élaguer certaines dispositions ou d'enchérir les textes de loi. À la séance d'hier, renseigne le journal, les élus de l'opposition ont aussi apporté leur touche à améliorer de ces textes de loi. Au nombre des opposants parlementaires ayant pris part aux travaux de la commission PAJ figuraient notamment les députés Emery Okunji et Rémi Massamba, des groupes parlementaires ayant claqué la porte le lundi 12 janvier dernier, jour du débat général de ce projet de loi. Le sujet étant l'une des matières essentielles de la session extraordinaire de la mobilisation des députés amendeurs comme de membres du gouvernement concernés par ces textes devient plus qu'une urgence. Dans une autre colonne, le journal écrit les innovations. Le projet de loi introduit des innovations qui participent au renforcement de la transparence du processus électoral. Ceci notamment le renforcement des pouvoirs du ministère public et du juge dans les contentieux des candidatures pour des raisons d'ordre public, de la sanction pénale pour quiconque participerait directement ou indirectement à l'entreprise d'altération des résultats. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'en est donc fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à tous ceux-là qui nous suivent aussi dans lecoléacongo.com. Et nous vous invitons donc à visiter notre site, votre site, en faisant www.congolocolenews.com. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de nos programmes. Thank you.